Eh bien, salut à tous, c'est Nasfux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 du Let's Play de Destiny 2. Et comme promis, nous sommes avec Nephi, Coucou. qui cette fois-ci ne veut pas faire d'émote parce qu'on n'est pas sur la planète. Alors, petite parenthèse, on avait déjà commencé à record, sauf que j'avais oublié d'enregistrer la vidéo. Donc, on a lancé une mission. En gros, elle nous a dit, c'est cool, vous avez retrouvé la lumière. Maintenant, il va falloir aider quelqu'un. Donc, nous partons sur Terre pour aller aider ce monsieur. Donc, tu as dit qu'il allait me faire penser à quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un de Destiny 1 ou pas? Non, un autre jeu. Ah, ok, bah, on va voir ça. Lancer l'activité à deux. Il leur ressemble ou c'est un clin d'œil? Il ressemble et en plus, c'est la même voix. Donc, c'est fort probable que ça soit un vrai clin d'œil des développeurs, quoi, non? Je sais pas, mais il a un air, c'est pas flagrant, mais. Un jeu connu? Oui. Tu le fais même en let's play. Un jeu que je fais en let's play ou que j'ai fait en let's play? Non, non, tu l'as pas fini. The Last of Us? Exactement. Joël? Exactement. What the fuck, on va voir ça. On arrive sur la. J'ai spoil, maintenant il y a plus de surprise. Bah ouais, je l'ai deviné, mais on va aller découvrir ça. C'est exactement la même voix. Même si vous avez vos pouvoirs, ne prenez pas la grosse tête. La ZME est difficile, surtout aux alentours du village. N'oubliez pas, c'est encore plus dur pour les réfugiés de la cité. Si vous voulez les aider, trouvez des Vrinkay. Bon, nous sommes arrivés dans la zone morte. Tiens, c'est pas le mur de... Non, c'est un barrage. Nous sommes arrivés dans la zone morte de l'Europe, si je dis pas de bêtises. C'est vachement beau en vrai comme zone. Tu faisais pas de PVP toi? Bah il y a une map, il y avait une map avec une cathédrale. Ah bah c'est exactement ça. Et ouais, c'est ce que j'ai pensé en la voyant, mais après j'ai vu les immeubles et tout, je me souvenais pas qu'il y avait des immeubles. On visite un peu, j'ai pas d'objectif sur la carte, hein, je tiens à le préciser, je sais pas si c'est normal ou pas. Si si, normalement quand tu mets ton spectre, tu le vois, un truc rouge. Ah ouais, dans l'église. Ah mais il y a des collecteurs. Ah putain, ça date. Je visite un peu au passage. Hein. J'aime bien, c'est qu'il a l'air d'avoir beaucoup de verticalité. Tu peux voir du coup, en appuyant autant sur le pad pour la carte, la taille de la map. Ça, je dirais que toute la gauche, c'est une grande zone PV... Putain, j'ai eu peur. Je dirais que toute la gauche, ça a l'air d'être une grande zone genre raid ou assaut. Non, visite tout. Et en fait, rien que dans cette zone-là, elle te paraît petite, mais t'as plein de souterrains. D'un côté, j'ai envie de visiter. D'un autre côté, faudrait qu'on aille... à l'église, mais c'est joli. Bon, alors on va aller à l'église parce que sinon le let's play va mettre 30 ans. Où est-ce qu'il est? C'est chiant d'être obligé d'être forcément sur le spectre pour le voir. De la visite. Je n'ai même pas de thé à vous offrir. Les temps sont durs. Devrimke, 8e du nom, à votre service. Ancien du régiment, quand la cité existait encore. Désormais, je suis là pour servir ma chère amie Suraya Osorn. L'objectif premier est de contacter les autres réfugiés et de leur parler du domaine. Il faut donc bâtir un tout nouveau réseau de communication. Et même si j'ai la chance d'être un sacré bon tireur, les déchus me donnent du fil à retordre. Vous savez vous y prendre avec l'ennemi, si j'ose dire. J'ai vu de quoi les gardiens sont capables. Bien, il est temps de laisser parler la poudre. Qu'en pensez-vous ? Ouais, c'est vrai qu'il fait penser un peu à Joël. Allez, objectif de mission, acquérir. Je vais mettre ma nouvelle coque de spectre. Elle est cool en plus, c'est militaire. Et tu verras quand tu l'équiperas, elle a un bonus. J'ai un nouveau fusil d'assaut au passage. Ah bon, quand je l'équiperai, elle a un bonus. Ouais, quand tu passes juste dessus, ils te disent que ça détecte les coffres dans un rayon de 30 mètres dans la ZME. Ah, c'est cool ça. Et j'ai un nouveau fusil d'éclaireur. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas ce qu'on doit faire en fait. Mais là, il y a quelque chose. Une nouvelle frontière. C'est ça qu'on doit faire? Ouais. T'es sûr? Puissance conseillée plus 30. On est à 23 et toi, t'es à combien? 23, on est deux. Bah vas-y, commencez l'aventure. Allons-y. Il y a une bannière au rez-de-chaussée. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil? Trouver la bannière. Elle est là. Putain, ça se fight de l'autre côté de la porte. Sous de la maison du châtiment. On travaillait avec un déchu qui avait porté cette bannière. C'est curieux. On dirait que les déchus ont installé ça comme une menace. J'imagine que vous allez trouver plein d'objets remplis d'histoires comme celui-ci dans le coin. Pour commencer notre travail dans cette zone, il va nous falloir des ressources. Essayez de trouver une cage dans un des bâtiments à proximité. Une cage, ok, par là. Une cage? Pourquoi une cage? Une cache. Ah, une cache, parce qu'une cage... Excellent travail. Pour survivre, nous allons devoir profiter de chaque occasion qui se présente. Gardez les yeux bien ouverts pour trouver d'autres ressources dans ces territoires sauvages. En parlant des territoires sauvages, il y a un symbole sur le mur de l'église. Pourriez-vous aller vérifier? Oh merde, on peut pas aller sur l'immeuble, j'ai essayé. Aïe, alors explorer l'église. Mais on y était tout à l'heure, pourquoi il nous demande d'y retourner? Devrim,
D'où vient ce symbole? Je crois que les chasseurs de la cité les ont disséminés un peu partout dans la région pendant leur mission de reconnaissance. Je pense qu'ils voulaient indiquer quelque chose de spécial ou de dangereux. Et du coup, ces symboles-là, des fois, tu les verras, et en fait, c'est des espèces de grottes où t'as un boss à la fin et un coffre, du coup, spécial. Donc, en gros, si je vois ce symbole, c'est qu'il y a un truc caché. Et il y en a plein, tu verras sur la carte, il y en a plein comme ça. Ah, ok. C'est cool, ça. Ils ont bien bossé. L'histoire de cette région est fascinante. Je crois qu'il y a des tunnels et des grottes comme ça dans toute la zone morte. Qui sait ce qui rôde là-dessous ? Faites bien attention. Mais tu vois, c'est certes linéaire, mais c'est moins que le 1, et c'est beaucoup plus rempli, c'est moins vide, je trouve. Ouais, je trouve aussi que ça a l'air plus rempli. Du coup, c'est un plaisir à chaque fois de découvrir les zones. Putain, elle est pourrie mon arme, en vrai. T'es tout content en changeant d'arme ? Ah bah d'accord, c'est du verre qui se pète même pas. Je visite un peu, il y a des petites pièces. Ah, il est cool ton petit teint tout blanc comme ça. On dirait Genji dans Overwatch. Je ne connais point. Ouais, j'ai loupé tellement toutes mes balles, en vrai. Tiens, tu veux voir mon... Je vais rentrer en action avec mon super... Ah, le bouclier, j'ai déjà testé découverte PC, je l'ai utilisé le bouclier. Même si il se TP et que je tape dans le vide. Ce capitaine a laissé tomber un code d'accès. Je devrais pouvoir ouvrir sa cache. J'ai récupéré un petit torse. Ah, faut que je change d'arme, elle est vraiment pourrie. Et du coup, voilà, dès que tu bats le boss, t'as des coffres comme bon ça. Bon travail, vous deux. Gardez l'œil ouvert pour voir s'il reste d'autres cachettes et trésors. Mais ça, c'est pour un autre jour. En attendant, il faut qu'on discute de notre plan. Revenez me voir au clocher. Je mets de l'eau à bouillir. Alors, c'est très drôle parce qu'en fait, j'ai une cape qui s'appelle Au moins, c'est une cape. Parce que là, tu vois la cape que j'ai là. Mmh. C'est pas une cape. Et en fait, tous les joueurs qui ont fait des vidéos sur Destiny ou des lives, ils disaient c'est chiant, c'est moche et tout. Et donc, il y a cette chose qui s'appelle Au moins, c'est une cape. Qui, je pense, fait référence au fait que les joueurs râlaient de pas avoir de cape. Avant d'aller voir le mec, je vais visiter un peu le reste des bâtiments, non? Ou c'est la même chose? Ça rejoint, je crois. Ah mince. Je sais pas si t'as fait gaffe en gagnant du niveau, maintenant du coup t'as des points d'amélioration. Il faut que tu choisisses dans ton arbre. Ouais, je l'avais vu tout à l'heure, mais il l'avait pas dit ça par contre, j'étais tombé dessus par hasard. La grenade, j'ai combien? J'ai un point, donc je peux débloquer la grenade fluctuante. Cette grenade inflige des dégâts supplémentaires quand elle se colle aux ennemis. Ouais, c'est pas mal le système des points. Bon, c'est gadget, mais c'est pas mal. Bon, allez, on va sortir. Et tu vois là, je sais pas si t'es tout le temps dans le menu, t'as des deux options, t'en as, tu sais, sur la droite, t'as soit en haut et soit en bas. Dans les arbres, t'as soit en haut ou soit en bas. Et en fait, tu devras choisir si tu veux monter celle du haut, soit celle du bas. T'as pas le droit de piocher dans un de chaque. Attends, comment ça? Là, je suis dans l'arbre de compétences, mais je vois pas. Ouais, tu vois, là, il y a un truc. T'as l'arbre principal, là, avec le super, la grenade et le saut. Et après, en bas et en bas. En fait, si tu choisis vers le bas, tu pourras développer que le bas. Tu pourras n'avoir que le bas. Et si tu fais le haut, en fait, dès que tu reprendras un truc du haut, ça désactivera ceux du bas. Tu peux pas piocher, en fait, niveau 1 en haut, niveau 2 en bas. C'est soit en haut, soit en bas, en fait. Ah ok, pourquoi pas. Mais bon, quand tu veux changer, après tu changes. C'est juste que si t'étais en haut, bah après ça se mettra en bas. Eh hey, regarde, j'ai un pistolet mec, il fait un de ces bruits, je sais pas où t'étais là. Écoute. Il a un gros silencieux. Ouais, c'est pour ça ce bruit bizarre. Attends, c'est pas le même que j'ai là. Ah si, tu l'as toi aussi. Non, j'aime bien. Les zones, franchement, ils ont beaucoup travaillé dessus. Bon après, c'est les premières planètes, j'espère que le reste sera pareil. Ah, le jour s'est levé. Putain, c'est beau hein. Ravi de vous revoir. Cette fois, je vous avais préparé du thé, mais j'ai déjà tout bu. Peut-être que si vous aviez été un peu plus rapide. Ah oui, l'émetteur. Pendant votre bagarre avec les déchus, nous avons eu un léger problème. Osorn a placé le dernier relais dans la montagne au-dessus des mines de sel. Mais même à cette hauteur, le signal n'a pas la portée que nous espérions. C'est assez curieux. Quoi qu'il en soit, cet amplificateur de signal devrait résoudre tout ça, si on peut le lui faire parvenir. Dans la zone morte, évidemment. Ouais, donc c'est reparti pour aller re-aider un mec et tout. Je récupérerai bien un petit fusil automatique. Du coup, là, tu verras sur la carte, on a débloqué encore deux missions secondaires et il y a la mission principale. La mission principale, c'est la rouge, c'est ça? Ouais. Elle est par où? Il y a même une zone de voyage rapide quand t'es trop loin. Oh non, moi je dis autant profiter, marcher. Hein. Là, tu verras, les missions secondaires sont bien scénarisées aussi. Ouais, mais je me doute, mais pour le let's play, je veux mieux que je rush l'histoire principale, je pense. Sauf si à un moment j'ai des niveaux de retard. Ça t'explique pas mal de choses, hein, le secondaire. Bah, je ferai peut-être en vidéo de temps en temps. Pourquoi pas, genre, je sais pas, je verrai. Genre, une fois que je finis une planète, bah, je fais les quêtes secondaires s'il y en a pas trop. Du coup, tu veux faire celle-là et après on arrête? Non, on peut continuer, hein. Plus on en fait, plus. Merde, y'a des snipers.
Parce que les missions solo sont longues. Bah après, on peut faire une vidéo par mission. Hein. De toute façon, déjà, il y a le début, on a fait la quête secondaire, plus la mission. Puis on peut faire ça chaque fois, une quête secondaire et une mission principale. Ouais, peut aussi. Je te suis, mais je sais pas où tu vas. Je sais pas où j'allais non plus, je te rassure. Et tu vois, ce qui est cool, là, je crois pas qu'on le voit sur la map, mais des fois, t'as des drapeaux, tu peux le voir direct sur la carte, c'est les événements publics. Et c'est toi qui les active, en fait. Ah, c'est toi qui active les événements publics, c'est pas aléatoire. Et après, faut que t'attendes quelques minutes. Ça dépend de quand tu actives le drapeau. T'actives le drapeau pour dire que tu participes, en fait. Et il y en a certains où il faut être plusieurs, je suppose. Oui. Hey, Dev, je suis toujours planté au-dessus des mines avec un relais de communication en panne. Où se trouve cet amplificateur de signal ? Notre nouvel ami gardien est en route. Je deviens trop vieux pour passer mon temps à régler tes problèmes, Surya. Il a enfin reconnu qu'il était âgé. Tu m'as sorti d'un mauvais pas une fois, et tu n'arrêtes jamais de me le rappeler. Tu veux dire une fois par semaine ? Si j'ai des cheveux grisonnants, c'est grâce à toi. Ouais, ouais, cause toujours, mon vieux. Bah du coup, n'empêche qu'on aura fini celle-là, ça te fera au moins 3 vidéos. Bah c'est la 3ème vidéo celle-ci. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, au moins, il y en a quoi ? Il y en a une ou deux qui sort par semaine. On peut le faire ça à chaque fois le week-end. Bah après, ça dépendra. En fait, le problème, c'est que j'ai d'autres montages en cours aussi. Là, j'ai la bêta de World War 2 qui est en cours de montage. Du coup, ouais, il y en aura peut-être 2 par semaine, non ? Je sais pas, je verrai. Avec le boulot et tout, c'est difficile. Si on en fait 3 par week-end à chaque fois, ça peut être pas mal. Patate de forain. Ouais, je viens de voir ça. Titan, à chaque fois, c'est épique, hein, cette patate qui met. Ce mont de charge devrait nous conduire au-dessus des mines. Normalement, on va pas en dessous des mines. What the fuck? Il est cassé, en fait. Il va falloir trouver un autre chemin pour rejoindre Osorn. Bon, on aurait pu rentrer, hein. Peut-être qu'il monte aussi vite qu'il descend. T'imagines? T'imagines. Le truc... Faites attention. Les déchus sont des pillards de la pire espèce. Ils se battront pour conserver tout ce que leurs griffes crasseuses ont pu dérober. C'est sympa ces petites mines, ça me rappelle un peu la lune. Tu verras aussi l'argent dans ton inventaire, c'est plus bloqué à 25 000 maintenant. Ah bon ? C'est bloqué à je sais pas combien parce que moi j'ai toujours pas... Ça se trouve c'est illimité. Bah ce serait quand même mieux que ça soit illimité quoi. C'était très chiant d'avoir l'argent qui était bloqué à un certain seuil. Est-ce qu'il y a des fragments de voyageurs à récolter ? Les spectres tu veux dire ? Ouais les spectres là. Non on n'a pas trop... Je pense qu'ils l'ont retiré ce truc. J'ai eu un sniper. 35 dégâts abyssal. C'est pas terrible mais je vais le prendre. S'il le donne c'est qu'il doit être utile je pense. Tu l'as aussi toi ou c'est moi qui te l'ai piqué ? Non quand tu l'as pris ça me l'a donné. Ah mais j'ai plus de balles, j'avais que 2 balles, génial. Et c'est vrai qu'il y a des lance-grenades. Bah ouais, c'est ça que j'ai changé. J'ai changé mon lance-grenade par un sniper. Mais c'est cool ça qu'on puisse mettre les fusils de sniper en lourde. Pourquoi en lourde ? Ah, parce que maintenant c'est pas aléatoire, mais tu sais, avant c'était tout le temps l'arme secondaire, le sniper. Maintenant tu peux l'avoir en arme lourde aussi. Comme les fusils automatiques, tu peux en avoir un en secondaire. Ouais, j'ai vu ça. Par contre, pourquoi je peux pas changer de doctrine ? On l'a pas l'autre encore. Mais pourtant, quand on a commencé le jeu, on avait l'autre doctrine. Ah ouais, mais on s'est. Rappelle-toi que on avait plus le pouvoir du voyageur. T'as par contre quand t'es dans la nuit tu vois vraiment rien. Tiens un nouveau casque. De 22 je passe à 35 et il est comment niveau design? Il est vraiment moche. Putain mon fusil d'assaut il galère tellement à une telle distance. Ah mais j'ai plus de balles, j'ai plus que mon petit gun silencieux. Ah, vous serez heureux d'apprendre que je peux voir les déchus fuir la mine. Vous avez dû mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière, non? T'as rien vu? Ou alors tu fais comme moi, tu fais comme ça. Ah, c'est prêt, voilà. Franchement presque. Nous avons trouvé un mont de charge. Vous êtes doué. Presque autant que Louis. Ah, mais il y a des. Ah, les serviteurs, ça date ça aussi. Ah, mais ils sortent des murs en fait. Ils sortent des murs, les enfoirés. Tu verras aussi, ce qui est pas mal, c'est que tu peux looter déjà de l'exo. Genre. Déjà ? Ouais, moi j'ai déjà un exo au niveau... J'ai eu un exo niveau 6. Et il est déjà équipable. Ouais, mais c'est cool. C'était pas niveau max avant ? Si, ouais, faut être niveau 20. Ah, le boss est là. Et en fait, tu peux... Bon, on n'a pas encore eu les ingrédients qu'il faut, mais tu peux déjà l'infuser dès le début. Et t'as ton... Tu l'as vu ton sniper exotique, là, de après-commande ? Non. Pas moi non plus. Faut aller dans le coffre pour aller récupérer le... Détruire le serviteur a rétabli le courant. Bien joué. Finalement, je vais peut-être avoir mon ampli, un de ces quatre.
Il n'y a pas de bouton, ça se ferme tout seul. Ah, il y a plein de monstres qui arrivent. C'est pas le couillon parce qu'ils vont venir. T'inquiète, j'esquive les balles. J'ai vu une vidéo où le mec il faisait ça. Il dansait, il esquivait tous les tirs. Aïe, je me suis pris une balle, je l'avoue. Deux. Putain, mais j'en esquive plein en vrai. Ah non. Moi aussi. Les mecs qui dansent pour esquiver les balles, tu sais. Oula, t'es dans le mal là. Oh là là, mais toutes les balles que j'esquive. C'est marrant de ma vue, les balles qui frôlent tes jambes. Ouais, grave. Le mec qui fait du breakdance et tout, il y a les balles qui frôlent. Hop là. Ah non, il y a une autre barrière. D'accord, attends pour moi. Au sang, nous sommes sortis de la mine et nous nous dirigeons vers vous. Dépêchez-vous avec cet ampli, qu'on finisse de brancher ce réseau de communication. Ah. Et merci pour le coup de main. Vous vous débrouillez pas trop mal, pour un gardien. C'est la chose la plus gentille que j'ai jamais entendu sortir de la bouche de Suraya. Vous faites partie de l'élite, mon ami. Ça s'appelle quand même Suraya, hein. C'est chelou comme nom. Faut aller où ? Non, non, mais là, j'étais juste en train de regarder le panorama, en fait. Vous avez réussi. On dirait que Louis a perdu son pari. Très bien. Voyons si cela fonctionne. Bon, si j'ai bien lu le mode d'emploi... Il y a un message entrant. Gardien, la cité est perdue. S'il y a encore des porteurs de lumière dans le système, retrouvez-nous sur Titan. Soyez forts. Gardien, la cité... Zavala est en vie ? Il faut y aller. Vous n'irez pas sur Titan. Des réfugiés arrivent, et nous avons la Légion Rouge d'un côté et les déchus de l'autre. Mais nous avons retrouvé nos pouvoirs. Et si nous voulons reprendre la cité ? Votre cité, oubliez-la. Où sort ? Nous reviendrons ! Et nous ne serons pas seuls ! Vous saurez où me trouver. Genre là, on a déjà fini toutes les quêtes de la Terre. La Terre, oui, c'est parce qu'on a rushé. Mais il y avait que deux quêtes. Ah ouais. On n'a pas fait les quêtes secondaires. Oui, non, mais j'espère que c'est pas pareil pour les autres planètes. J'espère qu'il n'y a pas que deux quêtes par planète. À peu près. Vous perdez votre temps. Vous feriez mieux de me tuer. Pour quelqu'un qui se prétend être guide, tu n'es pas très loquace. Apparemment, parmi tes gardiens, quelqu'un a réussi à retrouver sa lumière. Tu dis n'avoir aucun pouvoir sur le voyageur. Et malgré cela, aide-moi à comprendre, guide. La lumière survit n'importe où, dans tout ce qui existe. Vous pouvez la bloquer, l'emprisonner même. Mais elle saura se libérer. Et le voyageur saura se protéger. Le voyageur. Cela fait des années que je l'étudie. Les mondes qu'il a visités. Son pouvoir sur la vie et la mort. Nous ne sommes pas si différents, lui et moi. Vous n'avez rien en commun. Avec le voyageur, rien. Vous croyez être tout puissant et avoir le contrôle. J'en ai vu des comme vous. Vous êtes insignifiant et vous le resterez. Si le voyageur a réellement choisi l'humanité de son plein gré, qu'est-ce qui m'empêche d'y entrer ? D'y arracher la lumière pour en profiter moi-même et de réduire ce système en cendres. Seuls ceux qui sont choisis par le voyageur peuvent renaître dans la lumière. Oui. Ça, je le sais déjà.
C'est pour ça que j'ai pris votre planète et que je t'ai gardé en vie. Le voyageur me choisira. Et c'est toi qui vas me dire comment y arriver. Il a quand même la classe, ce méchant, je trouve, plus que le Jardin Noir. Le Jardin Noir, c'était du slime. Je sais pas ce qu'ils ont foutu pour le Jardin Noir. J'ai l'impression qu'ils ont fini le solo à la va-vite. Oh, c'était l'intelligence artificielle qui contrôlait les Vex, quoi. Ouais, mais pour moi, c'était vraiment Oryx, je crois, le père de Kropta. Oryx. Oryx, qui était vraiment le grand méchant du jeu, quoi. Il aurait dû être le grand méchant du solo. Parce que le Jardin Noir, putain, qu'est-ce que c'était chiant. Enfin, pas chiant, mais c'était pas intéressant, quoi. Alors, je crois que j'ai un bug parce que je vois... Oui, c'est... Ça fait pareil la première fois, y'a pas de son. Y'a pas de son, y'a pas de vaisseau. Ah, c'est bon. Faut attendre. Ils sont arrivés en retard, en mode, oh putain, merde. Titan, nouveau monde et nouvelle mission disponible. Ok. Bah non, mais je crois que dans la prochaine vidéo, on va se faire des quêtes secondaires, hein. De terre. Tu verras, regarde, quand tu regardes la carte, déjà il y a une quête dans la seconde zone, et tu vois toutes les espèces de logos de tunnels, c'est des trucs à explorer. Et les espèces de croix là avec un point au milieu, ça c'est les coffres jaunes comme tout à l'heure. Bon, on se fait ça dans la prochaine vidéo, on se fait des petites missions ici. Elles sont moins fournies que les ceux de solo, hein, mais il y a des trucs pas mal. Bah, on les rush et comme ça on en fait le plus possible sur terre. Hein. Bon, bah écoute, on va se laisser là, on a 35 minutes de vidéo. Ouf, la puissance du truc, t'as entendu? J'ai aussi un revolver. Mais on a le même ou quoi? Ah non, toi t'as un vrai revolver, moi c'est un pistolet. Grave, le mec il est trop dans le futur et tout, moi je sais comment. Ah non, c'est un revolver, hein, le gros truc. Moi ça tire des vraies balles. Hein. Aïe. Bref, on va se laisser là, j'espère que vous aurez apprécié. Je vais me jeter tous ces munitions. Oh, ah mais non, c'est derrière moi que ça tire. Oh, ah d'accord. Là y'a un boss. Ah lui si on le bat, on a un coffre. Ben on va le buter. Oh, comment je l'enchaîne avec le pistolet silencieux. Normalement, c'est juste des jetons. Bon, en fait, j'ai rien eu. Je l'ai ouvert. Ah, ils sont... Ok. Ils sont par terre. Ah ouais, juste des jetons. C'est dommage. Mais les jetons, en fait, c'est pour augmenter la réputation du mec de Joël. Et quand tu seras niveau 20, il t'offrira un engramme légendaire. Oh, ça va, il y a une bonne portée avec ce petit revolver. Bref, écoutons. Écoutez, on va se laisser là. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode 3. On se retrouve... Qu'est-ce qui se passe encore? Événement qui commence. On tente ou on meurt? Et juste là. C'est où là? Tu as déjà fait ou jamais? Bah si, tu as déjà fait vu que tu connais. Attendez, je récupère tout ça. Ah, il est parti où? Là-bas? Ah, il est là-bas. Pouah. Classe. T'as vu ça? Je suis tombé sur tous les ennemis ensemble et tout. La défoncée. On est fini par foreuse. Extraire du lumen sans foreuse, ça risque d'être compliqué. Bon travail. Des bots, ouais. Bon, par contre, je vais. Tu vois, c'est quand tu fais des événements comme ça que tu peux avoir de l'exo. Ah, ok. Je vais aller me cacher dans l'église parce que j'aimerais bien finir ma vidéo. Ça fait 5 minutes que je dis qu'il faut finir la vidéo. Voilà, je vais me mettre là, je vais juste checker un peu ce qu'on a obtenu. Alors, des bots à 53, 55. Eh ben, écoutez, les amis, on va se laisser là. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et pour la suite. Toujours avec Nephi, qui essaye de me tuer. Mais oublie pas que je tire plus vite. T'as tiré à la seconde où j'ai... Enfin, t'as dansé à la seconde où j'ai tiré. Bref! Eh oh! Putain, elle est pourrie son arme à lui. Bref, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous! Ciao!